Pierre Serc, mon grand-père, était un poète voyageur. On l'appelait le nomade du large, toujours en partance pour un ailleurs mystérieux. Il était animé d'une force qui l'obligeait à assouvir sa soif d'inconnu. Parfois, il fermait les yeux pour partir en terra incognita. Il m'a légué ses carnets de voyage et livres d'aventure. Ces trésors me sont chers parce qu'ils me font rêver et parcourir le monde. À ma manière, je poursuis son œuvre en navigateur de l'imaginaire, certifié en latitude lointaine et horizon chimérique. Patrick Serc. Donc là, voici la première toile dédiée à Pierre Serc, mon grand-père poète voyageur. Donc c'est une vieille photo du début du siècle avec un de ses textes que j'ai recopié directement sur la toile. Le carnet dont j'ai hérité finalement était le point de départ du rêve dans lequel lui baignait. Et moi, j'ai continué son rêve par des travaux différents, des toiles, des carnets, des objets. Et c'est ce que je propose dans mon travail, de plonger directement dans ce voyage, quoi. Bah là, c'était oui, quelques objets qu'il m'a laissés aussi. Tu vois, un vieux carnet de navigation, un compas de carte, un instrument pour faire le point, une longue vue, une boussole, enfin différents objets qu'il m'a légués aussi. Je voulais qu'on prenne aussi conscience et qu'on regarde aussi la charpente qui est une œuvre magnifique. Un petit peu comme une carcasse de bateau à l'envers. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre les bannières en hauteur, comme ça, de façon à ce qu'on puisse lever la tête. Et il y a aussi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les jeux avec la ligne d'horizon. Quand on est ici, on a situé la ligne d'horizon sur le même plan, de façon à avoir une trouée lumineuse sur la dernière toile, là-bas, dans le fond. Je t'invite au voyage et à la déambulation parmi les travaux qui sont dédiés à sa mémoire, en fait, des carnets de voyage. Il s'agit de toute une série d'esquisses sur les univers qui je pense, lui plaisaient bien et devaient nourrir son imaginaire et qui finalement maintenant nourrissent le mien, quoi. C'est ça qui est assez curieux, c'est-à-dire que lui-même n'a pas laissé grand-chose, mais pour moi, en ce qui me concerne, ça a été le point de départ d'une espèce de nourriture qui me sert aujourd'hui pour travailler. Oui, en fait, c'est ta base. En fait, c'est la base, oui. Son premier carnet de voyage, j'ai l'impression d'être dans son esprit vraiment, quoi, et de prolonger ce travail-là. Les havres, les landes, les herbes, les arbres un peu rachitiques, très élancés. C'est la poursuite d'une œuvre quelque part.
fascine toujours dans ces images-là, c'est le bout de la terre. Tu vois, ce sont pour moi, ce sont des finistères, vraiment des endroits où la terre tombe dans l'eau, des falaises noires comme ça, ou des lieux de transition entre la terre et la mer, où la frontière en fait entre deux mondes. Des zones, disons, entre l'imaginaire que représente la mer et le réel, entre guillemets, que représente la terre, c'est-à-dire le concret, le matériel, le physique. Et la frontière entre les deux, c'est ces espèces de no man's land. C'est un peu les territoires qui me fascinent et qui m'inspirent. Ouais. L'arbre signifie certainement quelque chose. Peut-être la vie, ouais, peut-être le fait d'accéder à quelque chose, de monter vers le ciel. Ouais, le ciel a de l'importance dans la mesure où c'est le vide. C'est un des sujets principaux de mes peintures, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas justement. L'air, l'impalpable, le vide, justement c'est ce qui m'intéresse aussi. Ouais. Et on retrouve toujours cette lande désertique, ouais. Ces paysages qu'on traverse. Ces paysages assez tourmentés, oui, assez isolés, abandonnés, qui prêtent à la fois à la rêverie, à la contemplation, si on veut. Ouais. Les personnages vont de la terre à la mer. Et vont d'un horizon à un autre horizon, et enfin ont l'air d'être sans cesse en mouvement comme ça, sans jamais s'arrêter. Il y a toujours la présence de l'homme, mais en même temps l'homme y est rarement. Ce qui figure dans l'étoile, c'est justement les constructions de l'homme. Mais tu as besoin quand même de repères, on sent qu'il y a les amers pour l'instant, il y a les maisons éclairées, il y a les maisons qui vivent quand même. Ouais. Malgré qu'elle soit perdue dans cette brume épaisse, on retrouve toujours la trace de la vie. C'est vrai, ouais. La trace de la vie, ouais. Oui, l'isolement de l'homme finalement dans ce monde terrestre et dans ce monde, dans l'univers finalement, peut-être un questionnement sur quel est le sens de notre présence ici. Dans sa boîte, hein, la boîte qui est là d'ailleurs, la petite boîte bleue, le carnet, comme c'est le point de départ du travail, je reviens toujours à ce fonctionnement-là, en fait, toujours à la place, l'histoire de carnet, donc de plus ou moins grande dimension, et bon, là, qui est un carnet assez, assez important. C'est la présence fantomatique un peu. C'est son fantôme qui plane un peu, cette part d'ombre. C'est sûr qu'il m'habite constamment, et en même temps, il est toujours là pour me questionner sur le sens de ce que je fais et le sens de ce que je vis. Puisque grâce à lui ou à cause de lui, je construis ma vie, et en même temps, je me pose toujours des questions. La question de savoir ce que je fais. Pierre Serc a laissé ça, ce parchemin, oui. Enfin, ce parchemin, ce faux parchemin, puisque c'est moi qui l'ai fait. Ouais, j'adore les palimpsestes, les traces d'écriture, encore une fois, sur des pots comme ça. Et moi, ça me fascine toujours. Les mots comme ça qui sortent d'un abroglio de matière. Le texte est important dans la mesure où l'écriture, pour moi, c'est une calligraphie, c'est de l'ordre du dessin. C'est avant tout de l'ordre du dessin. Écrire, c'est dessiner, c'est une espèce de... comme une respiration. Mais c'est aussi une façon de charger la toile de quelque chose en plus, justement. Comme tu dis, de l'ordre de la pensée, certainement. Ouais. Moi, j'ai souhaité proposer un cheminement avec ce personnage
qui est une sorte de fil d'Ariane, qui propose un fil d'Ariane, qui propose de plonger dans une histoire. C'était mon intention de départ, puisque moi j'adore les histoires, et surtout en particulier les histoires enfantines, parce qu'il me semble que ce sont les plus belles et celles qui laissent le plus de souvenirs. Et ensuite, après, le spectateur ou le participant est libre, évidemment, de choisir la voie qui lui plaît le plus ou qui lui convient. On continue cette visite, alors Si tu veux, oui. Et là, on retrouve le phare. Hein, là, la maison phare, à la fois la maison, hein, qui représente en même temps l'accueil, mais aussi la chose inaccessible, toujours lointaine. Mmh. Et le phare qui représente aussi le secours, la sécurité, la lumière de la nuit, quoi. J'aimerais bien trouver un endroit comme ça pour y constituer une sorte de maison-musée ou de... Enfin, musée n'est pas vraiment le mot, puisque c'est un travail qui est toujours en recherche, en évolution, donc ce serait plutôt un lieu de mémoire. Sympa, t'as vu le bateau aussi. Et voilà. Et voilà. La pièce, l'œuvre. Le dernier bateau de Pierre Cercq. Le bateau qu'il a commandé au début du siècle. Et qu'il a vendu vers des rivages inaccessibles. Là-bas, le château où tu exposes actuellement. Oui, le château de Regnéville, ouais, tout au loin là-bas. Oui, ouais, au fond du Havre. Alors justement, ce Havre où mon grand-père est peut-être rentré sur une de ces goélettes anciennes là, qui servaient de transport aux matériaux, et notamment à la chaux, puisque les bateaux transportaient beaucoup de chaux dans la région. Et tout ce havre-là était un grand port de commerce au début du siècle. Ah ouais, tiens, regarde. Ah, on va voir mon pistolet de pirate. Ah, il est beau, hein. Avec le boulet de canon. Je pense que le grand-père est un prétexte. Je ne pense pas que ce soit le grand-père en tant que lui-même, en tant que personnage, que je recherche désespérément. C'est un prétexte pour voyager, justement. C'est une espèce de mythe grâce auquel je navigue imaginairement et mentalement. C'est une navigation, une navigation dans l'imaginaire. D'accord. Donc tu navigues à vue ou tu navigues avec... Non, je navigue pas à vue, non, parce que je navigue toujours sans savoir où je vais. Donc justement, je navigue à l'ancienne plutôt en découvrant la route au fur et à mesure, comme les anciens le faisaient justement. C'est peut-être pour ça que tout ce voyage-là se fait dans un temps passé, parce que justement, c'est un temps dans lequel les choses étaient encore à découvrir peut-être. Le lieu se porte vraiment bien à l'exposition, parce qu'à travers les vitres, les vitres là, on peut se perdre le regard aussi sur l'infini de la mer, quoi. Donc c'est assez... On retrouve un peu cette même intimité, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est cet équilibre, cet équilibre aussi que je cherchais, je voulais trouver entre un lieu près de la mer, comme ça, qui porte vraiment à la rêverie et à l'ailleurs. Et mon travail, quoi, qui j'espère aussi porte à ces mêmes sentiments, quoi.